c'était mon matinal avant la guerre. Mais le froid empêchait de dormir. Je devenais fou dans mon lit. J'ai fini par me lever. C'est bizarre. On gèle beaucoup moins quand on est assis. C'est parce que vous travaillez. Ça vous fait penser à autre chose qu'à la température. La position aussi joue un grand rôle. Quand on est couché, on présente moins de résistance au froid. C'est une impression en tout cas. Et à quoi travaillez-vous? Vous allez rire, Daniel. Je rédige... Quoi donc? Un cours, un exposé, des pensées sur le dernier chapitre du bal de l'Observatoire. De Blatec? Vous connaissez un bal de l'Observatoire écrit par quelqu'un d'autre, hein? Comprenez-moi, professeur, je vous connais depuis des années et je ne vous ai jamais entendu dire que du mal de Blatec. Vous me connaissez depuis des années, mais depuis combien de temps habitez-vous avec moi? Depuis que les barbares ont détruit mon quartier. C'était il y a 2 mois, déjà. En 2 mois, vous avez le temps de me regarder vivre. M'avez-vous vu lire Fraternis? Non. M'avez-vous vu lire Obernac, Esperandio, Klein Bettingen? Non. Ah, quelle conclusion en tirez-vous, mon cher Daniel? C'est normal. Depuis le temps que vous nous parlez de vos cours, vous connaissez leur œuvre par cœur. Vous avez écrit une thèse sur Fraternis, vous n'avez quand même pas à la relire. Histoire d'être indulgent, ça ne vous rapportera aucun avancement. Ah, avant-guerre, j'aurais pu faire de vous un chargé de cours. Mais aussi longtemps que la paix ne sera pas revenue, et vous savez comme moi qu'elle ne reviendra qu'à sitôt, ah, vous serez mon assistant. L'effort de guerre dans l'université consiste à bloquer les promotions. Je sais tout cela, professeur. Mais je trouverais idiot de vous voir lire les auteurs dont vous chantiez les bourges en cours. Mais, et de me voir lire ceux que je tournais en dérision dans mes étudiants? Vous trouvez ça intelligent? Je me dis que vous devez avoir vos raisons. Mais non, Daniel! Mais que cette guerre vous ait au moins appris l'intolérance, sinon elle n'aura servi à rien. Mais elle ne servira à rien. À supposer qu'elle nous apprenne quelque chose, elle nous tuera de toute façon. Vous n'avez vraiment pas le sens de l'humour. Parce que vous trouvez qu'il y a de quoi rire. Il y a de quoi rire. Vous avez le privilège de découvrir ce que n'avouerait jamais aucun professeur de littérature. Ce qu'il lit vraiment pendant son temps libre. Temps libre? La guerre est-elle un temps libre? Pour moi, elle est un temps libre obligatoire. Avant, je donnais 14 heures de cours par semaine. Non, je donne cours quand on ne bombarde pas l'université. Tenez, nous sommes vendredi. Cette semaine, j'ai évangélisé mes étudiants pendant 40 minutes. J'ai donc beaucoup plus de temps. Moi, je suis à l'université presque aussi souvent qu'avant. Oh, mais vous êtes jeune et héroïque. Laissez-moi le privilège de l'âge et de la lâcheté. Bon, ce n'est pas tant par héroïsme. Je vous assure qu'il fait beaucoup moins froid à l'université. Professeur, le poêle est de nouveau éteint. Mais, il n'y a plus de combustible. Regardez, toutes les termes y sont passées, et même le secrétaire en marqueterie. Il n'y a plus que la bibliothèque, à cause des livres. Vous savez pourquoi il fait plus chaud à l'université? Parce qu'il est bombardé sans cesse. Après chaque bombardement, vous avez des planchers détruits à brûler. Ah, si les barbares torpillaient davantage mon quartier, je pourrais vous offrir un gîte plus tempéré. Ça, c'est ce que j'appelle de l'humour à froid. Bravo, Daniel! Vous voyez bien que la guerre peut rendre spirituel. Mais si seulement j'avais l'impression d'être en guerre. La guerre, c'est se battre. Mais nous ne battons pas. Nous sommes assiégés. Je ne suis pas d'accord. Vous vous battez. Pour nous autres professeurs, continuez à donner cours. C'est nous battre. Et pour nos étudiants, continuer en dépit des bombes à s'intéresser à la place de l'adverbe dans les subordonnés chez les poètes romantiques, c'est se battre. Je me demande si ça les intéresse. Je les soupçonne de venir en cours parce que l'université est encore chauffée. Ah, chauffée, mais bombardée. Ils y risquent leur vie, ne diminuez pas leur mérite. Sincèrement, professeur, je ne suis pas sûr qu'ils tiennent à la vie.
Et je le dis parce que je l'ai expérimenté sur moi-même. Le matin, quand je me lève à 4 heures pour aller à l'université, je ne pense ni à ma thèse, ni au trajet à découvert sous les bois, ni au fait que c'est peut-être mon dernier matin. Je pense vivement à la tuyauterie bien chaude de la bibliothèque facultaire. La tuyauterie? Vous n'avez pas remarqué? Les tuyaux qui longent les murs sont brûlants. Alors je colle mon dos et mes bras au réseau de tuyauterie jusqu'à ce qu'il donne un manteau une odeur de ici. Oh, quelle rêve! Merci pour les tuyaux! Quand je me lève le matin, c'est à ça que je pense. Les tuyaux brûlants. Je ne pense ni à la vie, ni à la mort, ni à la guerre, ni aux barbares, ni à ma thèse, vous en doutiez, ni à la fin. Ni à Marina? Ni à Marina. Je pense au tuyau, à leur chaleur qui transpercera mon ventre. Oh. Je commence à comprendre pourquoi vous passez le plus clair de votre temps à la bibliothèque facultaire. Parce que vous imaginez vraiment que c'était par passion pour ma thèse? Oh, mais vous, on ne sait jamais, hein. Vous avez un air si idéaliste. C'est pour ça que cet état de siège m'est insupportable. Elle fait de nous des animaux. Alors si cette guerre a pu vous apprendre que nous étions des animaux, c'est déjà bien. Votre bonne humeur m'énerve. Et d'ailleurs, pourquoi vous ne mettez pas votre manteau? Vous avez trop chaud? Je suis chez moi. Je ne porte pas de manteau quand je suis chez moi. L'argument le plus inepte que j'ai jamais entendu. Où est-il ce manteau? On ne vous a rien demandé, Daniel. C'est ridicule. Vous êtes bleu de froid. Vous allez me faire le plaisir de... Je ne le mettrai pas! Quel est ce comportement grotesque? Votre manière de continuer le combat, c'est de tenir court comme avant. À ma manière, c'est de ne pas porter de manteau quand je suis chez moi. Le jour où je le mettrai, je me sentirai vaincu. Comme un homme aussi intelligent que vous peut-il dire de telles imbécilités? Mais je ne suis pas intelligent! J'ai aucun plaisir à lire les auteurs que j'admire. J'aime lire Blatec parce que c'est bête. Ça fait 25 ans que je mens à mes étudiants. Mais en quoi ceci vous empêche-t-il de mettre votre manteau? Mais si j'ai envie de traiter d'être stupide, hein? Marina. Qu'est-ce qui se passe ici? Il se passe que votre cher étendre ne me laisse pas le droit d'être idiot. Si vous ne voulez pas votre manteau, moi je le veux bien. Et je sais, Marina, je viens la brûler. Et ça? Quoi, la bibliothèque? Non, les filles. Si nous mettions à brûler les livres, alors là vraiment, nous aurions perdu la guerre. Nous avons perdu la guerre. Alors mon enfant, vous êtes très fatigué. Ne faites pas semblant de ne pas le savoir. C'est notre deuxième hiver de guerre. L'hiver dernier, si on nous avait dit qu'il y en aurait un autre, alors vous auriez conclu, c'est que nous avons perdu la guerre. Pour moi, il était déjà perdu l'hiver passé. Et donc... C'est trop frileuse. Normal. Combien pesez-vous? 80 livres? Je pèse 2000 livres, professeur. Les livres que vous prenez pour me réchauffer. Arrête, Marina. La nature est injuste. Les hommes ont toujours été moins frileux que les femmes. Grâce à la guerre, j'ai compris que c'était ça, la plus grande différence entre les sexes. Si, en ce moment, vous croyez que j'ai perdu maman des livres, moi je crois que vous n'avez jamais été capable de les aimer vraiment. Vous les avez toujours vus comme du matériel pour vos thèses, et donc pour votre avancement. J'adore l'air limpide avec lequel cette jeune fille nous injurie. Je ne vous injurie pas, je plaide ma cause. J'essaie de vous faire comprendre que vous ne tenez pas tant que cela à ces livres. Mais pour que nous les brûlions, le cœur léger, afin de réchauffer mademoiselle. Mais
Si vous parveniez à nous démontrer que nous sommes bel et bien des arriéristes sans âme, nous serons amenés non pas à brûler ces livres indispensables à nos basses ambitions, mais à vous brûler, vous. Vous ne nous êtes d'aucune utilité, Marina. Professeur. Je ne vous ferai pas une flambée très imposante. Vous sauriez ce que vous êtes pour Daniel, un feu de paille. Arrêtez. Chaque automne, Daniel séduit une étudiante de dernière année. De dernière année, pour avoir la garantie de ne pas la revoir l'automne d'après. J'ai observé le manège 4 années de suite. Je sais comment ça fonctionne. À certains signes, j'avais pu supposer les années précédentes que je serais l'heureuse élue de ma promotion. C'était la seule incertitude. Alors, comme je suis bien constante de n'en avoir que pour un an, j'en demande un maximum. C'est moi qui suis horrible. Mais c'est toi la mienne, mon salut. Si vraiment tu penses ce que tu dis, je ne comprends pas comment tu veux. Moi non plus, je ne comprends pas. Si vraiment tu penses ce que tu dis, ton attitude est terminée. Charmant, charmant, du Marivaux en pleine guerre. Du Marivaux? Vous voulez dire du Fraternis? Mais vous avez raison. Comment ce gros bourgeois de Fraternis a-t-il pu comprendre tant de vérités nues et dures sur la misère de l'amour humain? Bon, pas de considération littéraire, j'ai froid, je veux du feu! Vous voyez, Daniel, c'est ainsi que parlait la femelle préhistorique quand elle rentrait au bercail. Vous avez beau jeu de me mépriser, professeur. La guerre ne vous a pas fait assez maigrir. Si vous aviez aussi froid que moi, vous me comprendriez. Mais, il faut vous nourrir davantage, mon petit. Ah bon? Et que me proposez-vous? À part un morceau de cadavre gelé, je ne vois vraiment pas ce que je pourrais manger. Attendez. Voici un aliment qui vous nourrira davantage. L'honneur de l'horreur de Klein Bedingen. Vous allez me dévorer ça. Quel cynisme. Mais je vous assure que ça vous fera du bien. Je brûlerai, je ne lirai pas. Ah bah non, Marina, alors si c'est pour le brûler, ne prenez pas celui-là. Ah non, vous avez peut-être des ouvrages plus combustibles. Bah j'ai surtout de moins bons livres. Je vais enfin savoir quels étaient les bouquins que vous faisiez sans vendre des lampes. Ben c'est précisément ce dont nous parlions avant votre intrusion. Bien. Voilà. Ça, vous pouvez prendre. Le journal de Sterpenich. Eh bien. Ce n'est pas assez. Ben, mais je vous en donne deux à la place d'un seul, petite garce. Vous déraisonnez, professeur. Un clavier vaut bien plus que de Sterpenich. Marina. Écoutez-moi, cette femelle calculatrice! À vous de fixer la valeur d'un calmotine, professeur. Bon, ben, puisque nous avons commencé avec Sterpenich, vous m'embarquerez aussi ces combats éternels et les trois tomes de sa correspondance avec Belinda Bartofio. J'espère que ça vous suffit cette fois. Je n'ai pas confiance. Posez-les par terre. Voilà votre calmotine. Sterpenich, quand je pense que vous m'avez forcé à le lire au cours. Ne me dites pas que vous l'avez vraiment lu. Monsieur le professeur, je n'ai jamais été assez intelligent pour avoir fait semblant d'avoir lu un livre. Mais vous vous rendez compte, Daniel? Nous avons des étudiants qui lisent les livres que nous leur demandons de lire. Ah, mais si j'avais su, j'aurais eu quelques scrupules en dictant mes listes de lectures obligatoires. Ma pauvre petite, je suis désolé. Ne soyez pas désolé. Vous n'imaginez pas avec quelle jubilation je le jetterai au feu. Quand je l'ai lu, il y a 4 ans, c'était la paix et c'était le printemps. J'ai gaspillé tous ces jours de paix et de printemps à assimiler ces pages lisibles dont vous nous disiez tant de bien en cours. Jamais autodafé ne sera aussi légitime que celui-ci. Au revoir, professeur. À ce soir, Daniel.
apporter votre manteau. Je vous le rapporterai demain. Oh, laissez-le lui, il en a plus besoin que moi. Ah. Tout de même, elle vous a déjà pris toute cette pleurniche. C'est pas une bien grande perte, hein. Et puis, elle a raison. Si vraiment elle l'a lu en entier, elle a bien droit à une petite vengeance. J'ai honte pour elle. Ah, vous avez tort. C'était vrai ce qu'elle disait. Les femmes souffrent plus du froid que les hommes. J'ai remarqué que 80% de mes maîtresses avaient les pieds glacés. Et elles n'étaient pas forcément maigres. Alors quand je vois votre petite Marina, si mince, je pense à ses pieds. À ses pieds que vos pieds toucheront ce soir. Et je me dis que la température de ses orteils doit être effroyable. Elle était d'une impudence. En effet, mais ça lui allait bien. Elle a ce genre de beauté pathétique qui resplendit dans la pertinence. Ah, nous avons eu droit à un joli spectacle. Avouez que ça valait bien tout se faire péniche. Je ne vous aurais pas cru aussi indulgent, professeur. Je ne suis pas indulgent. Je trouve seulement que vous avez bon goût. Elle est encore plus délicieuse que celle de l'an dernier. Comment s'appelait-elle déjà celle-là? Sonia. Elle a été tuée dans un bombardement en juin. Heureux bombardement qui vous a évité la rituelle et pénible rupture du mois d'août. Vous êtes infâme. Je ne suis plus le même depuis la mort de Sonia. Qu'est-ce que vous essayez de me dire là? Que si Sonia n'était pas morte en juin, vous seriez encore avec elle aujourd'hui en décembre? À d'autres hein? Non, c'est de Marina que je parle. Je ne pense pas que je rentrerai en août. Vous avez l'intention de rompre plus tôt? Non, je ne la quitterai pas. Je l'aime. Mais vous les aimiez toutes? Oui, mais depuis la mort de Sonia, je ne suis plus le même. À la guerre vous rend mélodramatique, mon petit Daniel. Vous feriez bien de relire Fraternis avant que votre dulciné n'y ait mis le feu. Ah, j'imagine dans sa chambrette d'étudiant, agenouillé devant son poêle de fortune, et y brûlant Ster Péniche avec son sourire d'ange. Je regrette de ne pas voir ça. C'est beau jouer les cyniques. Vous êtes attendri comme un père quand vous parlez de Marina. Attendri comme un père? Ah, très drôle. Mais ce que vous ignorez, c'est que si elle n'avait pas été aussi jolie, je l'aurais jetée dehors avant même qu'elle n'ait le temps d'ouvrir la bouche. Hein? Alors cessez de vanter la bonté de mon noble cœur. Pourquoi faut-il toujours vous disiez les horreurs? La guerre ne nous en procure-t-elle pas assez? Moi, cette guerre me donne la terrible envie d'être enfin lucide. Et je vous invite à l'imiter, hein, car enfin, vous n'êtes pas plus généreux que moi. Si Marina n'avait pas été aussi jolie, vous ne l'auriez jamais prise sous votre protection. Et alors, je l'aime. Ça fait-tu de moi un salaud? C'est comme en littérature. Tout dépend du choix des mots, de la tournure de votre phrase. Si vous dites « Je protège Marina parce que je l'aime », les gens penseront que vous êtes un cœur pur. Mais si vous dites cette autre vérité, que vous ne direz jamais, à savoir « Que m'importe le sort de Bertha, d'Ania, de Stéphana, qui sont laides à faire peur ?» Hein, je vous laisse le soin de conclure. Cette dernière demi-heure, il me semble avoir eu plus d'atrocités que j'en ai entendu de ma vie entière. C'est ça la guerre, mon petit Daniel. Et ça pourrait aussi bien être aux anciens entrepôts. Oh, ce sont sûrement les entrepôts.
Les barbares sont assez bêtes pour croire que nous avons encore de la nourriture. J'espère que vous avez raison. Ah, Daniel. Même si c'est l'université, Marina n'y était pas encore. C'est pas une marathonienne. Allez, calmez-vous. C'est une sacrée question que me posait votre cher étant. La formulation habituelle en est « Quel livre emporteriez-vous sur une île déserte ?» Une interrogation que j'ai toujours trouvée un peu stupide, car absurde. Si le métier de professeur d'université devait offrir en prime un voyage sur une île déserte, ça se saurait. Mais posé à l'envers, la question est bien essentielle. Quel livre auriez-vous le moins de scrupules à détruire? Sans la guerre, jamais je n'aurais envisagé cette hypothèse. Et s'il n'y avait pas eu Sterpelich, je me demande bien quel auteur j'aurais choisi en premier lieu. Avec votre bibliothèque comme stock de base? Ouais. Constitue un peu la bibliothèque des honnêtes hommes, en plus révolutionnaire peut-être. Que choisiriez-vous, vous ? Difficile. Tenez. Prenons le mal mobile. J'ai toujours pensé que c'était le plus mauvais livre de Faustoli. Mais il était indispensable à la compréhension du reste de son œuvre. Et voilà, je commence la première page, et déjà je le trouve plus si mauvais. C'est peut-être un idée que je dois détruire. Oh, vous êtes un incorrigible sentimental. C'est comme lors de vos ruptures du mois d'août. Hein, chaque année, à la fin de juillet, vous vous mettez à trouver 1000 charmes à celle qui vous lassait au moins un mois auparavant. C'est la perspective de la quitter qui vous illusionne, mais rien d'autre. Bon, allez, pas de sensiblerie. Je retire votre première suggestion. Le mal mobile de Faustoli, ça n'est pas un mauvais choix. J'ai l'impression de passer un examen. Un examen très spécial. Un examen d'autodafé. Je suis votre professeur d'autodafé, mon cher Daniel. J'occupe une chaire d'autodafé à l'université de... Tu y étais déjà? J'allais y arriver. Je n'ai plus de logement. Eh bien, ben vous habiterez ici avec Daniel et moi, ça vous facilitera la vie. Ah non? Mais oui! C'est ce qu'on appelle du regroupement familial, une des mesures sociales préférées du gouvernement d'avant-guerre. Tu veux bien, Daniel? Qu'est-ce que c'est que cette nouveauté? Est-ce qu'on pose ce genre de questions à un homme? Et puis d'ailleurs, c'est pas à lui qu'il faut le demander. C'est à moi. Vous êtes chez moi ici, guerre ou pas guerre. Mais de toute façon, ça n'est pas en tant qu'amoureuse de Daniel, mais en tant que victime de guerre que je vous reçois dans mon appartement. Si ça te dérange, Daniel, j'irai ailleurs. Mais est-il possible d'être aussi maladroite? Pas du tout, Marina. Je suis ravi que tu aies mis le réponse. Grand Adet. Si au moins vous preniez avantage de la situation. Est-ce que vous avez l'intention d'en tirer avantage? Ah, c'est sidérant, là. Autant elle est bête quand elle parle à son amoureux, autant elle est futée quand elle me parle. C'est dans les conclusions qui s'imposent, professeur. Mais oui. Vous dormirez dans le même lit que Daniel, mon enfant. Et c'est un lit à une place. Tant mieux, il fera d'autant plus chaud. Ah, vous avez entendu Daniel? Ce n'est pas vous qu'elle aime, c'est votre température. Professeur, nous n'allons pas le faire la guerre, n'est-ce pas? Il y a assez de guerre comme ça à l'extérieur. J'accepte la paix, mais à une condition. C'est que vous me rendiez Sterpelich.
Bon. Car je ne laisserai à personne d'autre que moi le privilège de foutre le feu à cet emmerdeur. Se lève et accueille l'homme avec des cris de bonheur. J'ai quelque chose, professeur ? Rien. Je fantasmais. Qu'est-ce que vous lisez, mon enfant ? Ah, c'est bien ça, venir sur l'offre. Je suis impressionné par votre sort de culture. Vous moquez de moi ? Pas du tout. Qu'une jeune fille sous-alimentée et frigorifiée la détermination de s'initier à un auteur difficile en dépit des bombardements, je trouve ça sincèrement admirable. Je ne suis pas en train de m'initier à un auteur difficile, professeur. Savez-vous ce que je suis en train de faire? Je lis chaque phrase avec lenteur et circonspection. Et je me demande si son sens profond est plus important en ma vie qu'un degré de plus dans cette pièce. Enfin, Marina, le but de la littérature n'est pas de vous réchauffer. Allons, alors je me fous de la littérature. Pauvre petite idiote primaire. Si la littérature est assez cynique pour ne pas remarquer que je souffre le martyr, je ne vois vraiment pas pourquoi je devrais la respecter, moi. Vous devenez un véritable animal, Marina. Non, je suis un animal. Mais même les animaux ont le sens de la durée. Mais ce livre est éternel. S'il devait brûler, la flambée durerait 2 minutes. Professeur, j'ai froid. L'éternité ne fait pas le poids devant 2 minutes de chaleur. Ah, mon petit, il faudra attendre ce soir. C'est vous-même qui avez dicté la règle. La flambée quotidienne, c'est 1 heure avant de se coucher. Je sais, mais il est 3 heures de l'après-midi. Je ne peux plus attendre. Mais le désespoir ne vous réchauffera pas. Il faut bouger, Marina, bouger! Bouger comme ça? Bouger dans le vide? Bouger pour bouger? Ben oui! Le but c'est de vous réchauffer, alors peu importe le mouvement! Je ne sais pas, je crois que bouger sans but n'est pas dans la nature humaine. C'est quoi la nature humaine? C'est ce que les hommes font. Qu'est-ce que les hommes font, Marina? La guerre est de la nature humaine. Vérité implacable! Et les femmes, que font-elles? La même chose que les hommes. Faites la guerre, vous? Nous la faisons tous. Et en quoi consiste votre guerre, Marina? Ma guerre est la pire. Elle est assommante, elle est pure souffrance. Elle ne laisse aucune chance à l'héroïsme. Ma guerre consiste à avoir froid. Avez-vous lu Bernanos? Ah, l'étudiant me semble des connaissances du professeur. Je n'enseigne pas la littérature française, mais j'ai lu Bernanos, oui. Pourquoi? Il a écrit la plus grande vérité du monde. L'enfer, c'est le froid. Oui, mais je ne pense pas qu'il le disait dans le même sens. Cette phrase est vraie dans tous les sens. L'enfer, c'est le froid. Je suis en enfer, il n'y a rien d'autre à dire. Mais il y a autre chose à faire. Remuez-vous, Marina. S'il me faut absolument une raison pour bouger, moi je peux vous en trouver 100. Ah, regardez comme cette pièce est sale. Prenez-moi un balai et un chiffon et nettoyez-moi ça. Tu ne suis pas votre femme de chambre? Non, certes. C'était pour vous donner un prétexte, puisque vous en avez besoin. Un prétexte qui vous arrangerait bien. Bon. Venez. Ça? Dansez avec moi. C'est grotesque. Oh, merci.
suis. Pas de musique. Ouais, à la guerre comme à la guerre. Voilà, je suis sûr que vous avez plus chaud maintenant. N'avez pas honte ? Au contraire, je vous ai réchauffé. Vous ne m'avez pas réchauffé, vous m'avez glacé. Le ridicule, ça donne froid. C'est vous qui êtes ridicule. Quel personnage êtes-vous en train de me jouer, là ? La Vierge effarouchée ? En quoi ai-je sali votre incomparable petit corps ? Vous vous imaginez que je vous désire ? Eh bien, désolé de vous décevoir, je ne vous désire pas du tout. Et qui vous parle de désir, professeur ? Bon, vous savez très bien. Dès qu'il y a un homme et une femme en tête à tête dans une pièce, les gens ne pensent qu'à ça. Les gens n'ont rien dit du tout. Et pour cause, il n'y a personne dans cette pièce à part vous et moi. C'est vous qui avez parlé de désir. Bon, ça va, Marina. Tirez pas avantage de la situation. Je ne vois vraiment pas quel avantage je pourrais tirer de la situation. Ouais, c'est ça. Faites l'innocente, ça va bien avec votre genre de beauté. Je ne sais pas à quoi vous jouez, là. Mais vous êtes folle ! J'ai froid ! Ah, on le saura ! Non, on ne le sait pas. Si on savait combien c'était horrible, on serait déjà venu réchauffer. Si vous aviez une idée de ce que j'ai entendu, vous brûliez tous vos livres à l'instant. C'est parce que vous ne savez pas, c'est parce que personne ne sait. Personne ne laisserait quelqu'un souffrir comme je souffre. Mais vous vous figurez que vous êtes la seule ? Peu importe. Je suis dans l'enfer. Je vais finir, espèce de petite furie. Pourquoi devrais-je m'arrêter ? De toute façon, personne ne m'entend. Précisément parce que personne ne vous entend. Alors ça ne dérange personne ? Ça me dérange, moi. Pourquoi ? Qu'est-ce que ça peut vous faire ? J'ai horreur des femmes qui poussent des cris hystériques. Le pauvre homme, le voir subir les cris d'une folle. Quel sort pitoyable que le vôtre. On va voir qui pleure maintenant. Vous croyez que ça sert à quelque chose ? Pleurer, ça sert à pleurer. Et puis ça réchauffe. Vous avez remarqué, professeur, que les larmes sont toujours chaudes ? C'est bon. Ça me rappelle les douches chaudes que je prenais avant la guerre. J'aurais tout et plus encore pour une douche fumante. Tout et plus encore. Mais je me demande bien ce que vous auriez à donner, mon petit. À part les vêtements que vous portez, vous ne possédez rien. Et qui voudrait de vos vêtements ? Je ne me séparerai pas de mes vêtements pour un empire. Ah ben ça tombe bien, on ne vous le propose pas. Professeur, pourquoi êtes-vous si dur avec moi ? Je ne suis pas dur avec vous. Seulement vous mettre un peu de plomb dans la cervelle. Autour de la ville, je connais beaucoup de barbares qui pourraient en changer. Ce n'est pas drôle, Marina. Pourquoi ne pas mourir, professeur ? Ça me dérangerait que vous mouriez. Pourquoi ? Vous ne devriez plus brûler vos chers livres ? Vous seriez enfin tranquille ? Je vous aime bien, Marina. Si vous m'aimez bien, vous pouvez vouloir que je me sente mieux ? Je vous vois venir. Je veux que vous vous sentiez mieux. Mais si je brûle tous les livres trop vite, avec quoi ferons-nous du feu demain ? Demain ? Demain, nous serons morts. Pas sûr. Mais en quoi ma vie vous est-elle nécessaire ? C'est à vous qu'elle est nécessaire. Mais pourquoi faire ? Vous avez fait quoi je passe mes journées ? Avec ce froid, je serais incapable de faire autre chose. Marina, on ne peut pas exclure l'hypothèse que cette guerre se termine un jour et que vous soyez encore en vie à ce moment-là. Je reconnais que les chances sont minces, mais il ne suffit pas que cette possibilité existe. J'y ai pensé. Eh bien, je m'arrangerai pour avoir toujours chaud. Je ne ferai jamais rien de ma vie. À cause de cette guerre, je n'aurai jamais envie de construire quoi que ce soit. Ce qui fait rêver, c'est la chaleur, pas la vie. Comment pourrais-je tenir à la vie depuis que je connais sa vraie nature ? Sa vraie nature, comme si vous la connaissiez. Professeur, vous n'avez envie de rien pour avoir chaud. Évidemment. Mais quand vous aurez chaud, vous aurez envie de mille choses. C'est ce qu'on appelle la hiérarchie des besoins. Et dites-moi ce que je fais.
journée de ma vie. Vous finirez vos études. Exaltant. Vous vous marierez, vous aurez des enfants. De mieux en mieux. Mais toutes les femmes font ça. Quel argument éblouissant. Mais, enfin, vous êtes donc tellement différente des autres. J'en ai aucune idée. Mais supposez que cette guerre se termine un jour. Je ne peux vraiment pas imaginer qu'une femme puisse encore vouloir un enfant. C'est ce qu'on appelle la vie, mon enfant. Si c'est ça, je ne veux pas la connaître. Mais si, vous voulez la connaître. Plutôt crever. Non ! Non ! Pourquoi non ? Parce que je ne vous aime pas. Mais qui vous parle d'amour ? Moi ? Je suis amoureuse de Daniel. Bon, ce n'est pas vrai. Si vous étiez amoureuse de Daniel, vous voudriez vivre. Est-ce que vous y connaissez quelque chose à l'amour, vous ? Et vous ? Moi, je suis sûre de savoir ce que c'est. Moi, je suis sûre de savoir ce que c'est. Vous êtes prétentieuse comme les gamines de votre âge. Vous seriez grotesque si vous n'étiez pas si touchante. Je pensais que je n'étais pas désirable. En effet. Curieusement, je ne vous en désire que plus. Moi, je ne vous désire pas. Vous ne direz plus ça quand vous serez dans mes bras. Je n'y serai pas. La guerre ne vous a pas encore appris le droit du plus fort. Vous êtes chez moi. Vous avez trop froid pour partir. Vous savez bien qu'il n'y a pas d'échappatoire. Bon. Après tout, j'ai bien tort de refuser. Il n'y a rien de tel pour se réchauffer. Oh, et c'est cynique, ce prétend amoureux. Mais je suis amoureuse, professeur. Ce que vous allez me faire n'a rien à voir. Voyez-vous, à l'instant où vous me prendrez dans vos bras, je cesserai de souffrir, car votre ventre sera tiède. Vous vous figurez que j'ai chaud ? Vous êtes plus chaud que moi, c'est la seule chose. Vous me ferez l'effet d'être brûlé, et je recueillerai votre température partout où il y a la chasse. Pourquoi reculez-vous, professeur ? Vous m'avez envie ? Vous avez dans le froid à ce point ? C'est seulement maintenant que j'en mesure toutes les conséquences. Vous êtes devenue monstrueuse. Je suis plus jolie. Vous êtes belle. Vous êtes démoniaque. Putain, vous dites que je suis un enfer, je ne serais pas de non. Quoi ? Vous n'avez pas envie ? Si, mais je ne bougeais pas comme ça. J'ai eu ces vertus soudaines ? Ça n'a rien à voir avec la vertu. Laissez-moi deviner. Vous voulez que ce soit vous le méchant, n'est-ce pas ? Vous voulez que ce soit moi la victime ? Mais le problème, c'est que j'ai pas du tout envie d'être la victime. Et que j'ai très envie d'être la méchante. C'est ça qui vous déplaît, n'est-ce pas ? Eh bien, si ça vous déplaît, moi ça me plaît plus encore. Non, non, non. Faites comme Daniel, votre bien-aimé. Allez à l'université. Et collez-vous au tuyau de la bibliothèque facultaire. Pourquoi irais-je me coller des tuyaux alors que je vous ai mis ? Seront chauds plus longtemps. On va en enfer et moi j'ai besoin que vous alliez en enfer. J'ai besoin que vous soyez humiliés de m'avoir méprisé. Je n'aurais jamais cru que vous étiez comme ça. Moi non plus. Quelle satisfaction obscure trouvez-vous à ce petit jeu, Marina ? Je ne sais pas, mais je me comprends. Et vous, professeur, quelle fascination obscure allez-vous succomber quand vos bras se refermeront sur moi ? Je ne sais pas, mais je ne comprends pas. C'est normal, vous n'avez encore pas l'habitude de l'enfer. Thank you.
professeur. Ne dormez pas. Oh. Foutez-moi la paix. C'est vous qui m'avez ordonné de vous réveiller si vous endormiez. Depuis quand obéissez-vous aux ordres que je vous donne? Depuis que j'ai trop sensé. De là à lire toute la nuit sans interruption. C'était votre consigne. Comment pouvez-vous accorder du crédit aux paroles d'un bonhomme qui démolit Blatec devant ses étudiants et qui s'en régale quand il est seul? En ce cas, ce soir, voulons le bal de l'observatoire. Qu'avez-vous reproché au bal de l'observatoire? Écoutez, ce quinquagénaire qui séduit cette jeune fille, c'est à la fois tellement convenu, tellement dégoûtant. Enfin, qu'est-ce que vous avez contre les quinquagénaires? À votre avis. Bon, qu'est-ce que vous avez contre moi? Et que je n'ai pas compris ce qui s'était passé entre vous et Marina. Je vois pas à quoi vous faites allusion. Bon, ne niez pas. Je vous ai vu, figurez-vous. Un soir où j'étais rentré plus tôt que d'habitude. Je suis parti sans faire de bruit. Ni elle, ni vous, vous êtes aperçus de rien. Et puis merde! C'est la guerre! C'est ça. Vous voudrez me faire croire qu'en temps de paix, vous étiez un enfant de cœur. En temps de paix, j'aurais mieux à séduire que vous tourterelle. Puis maintenant, si vous n'êtes pas content, vous n'avez qu'à aller loger ailleurs, vous et votre... Votre allumeuse de bas étage. Vous ne foutrez pas sur un client comme ça? Il faut en plus que vous l'insultiez. Et vous? Vous ne voudrez pas ces coquilles comme ça? Il faut en plus que vous la défendiez. Non, il y a cette violence comme ça à l'extérieur, bien se dire. Je ne sais pas si tu es si bien placé que ça pour me donner des leçons. Je sais que j'ai tort. Je ne cherche pas à me défendre. Mais aujourd'hui, j'ai vu trois personnes se faire massacrer dans la rue. Ça me suffit. On n'a pas voix au chapitre. Moi, j'aime ce livre, je ne veux pas qu'on brûle. Oh, mais ça, c'est la meilleure. Vous voyez, Daniel, il n'y a pas que des vieux dégoûtants qui sont de mon avis. Tu aimes ce livre? C'est beau, c'est si beau. Et qu'est-ce qu'il y a de beau là-dedans? Surtout la dernière scène, celle du bal. Ah oui, celle où le quinquagénaire séduit la jeune fille, évidemment. Ça doit te rappeler de beaux souvenirs. Non, ne crois pas ça. Avec le professeur, ce fut abominable. Merci. Avoir un corps chaud contre moi est devenu mieux dans mes conditions de survie. Ça te fait plaisir, n'est-ce pas, de dire des horreurs pareilles? C'est le seul plaisir qui me reste. Ordure! Lâche, tu sais bien que tu es le plus fort. J'aimerais en être sûr. J'ai pu être amoureuse de toi. Et dire que j'ai pu être émue par tes airs angéliques. Ah.
brûlé tous les livres. Pas tous. Il en reste un. Je vous laisse deviner lequel. Le bal de l'Observatoire ? Bien vu, mon enfant. J'attendais votre avis pour savoir quel sort lui réserver. Non, je vous en prie, ne le brûlez pas. Je sais pas. C'est un beau livre, mais que peut-il pour nous, Marina ? Il est la seule beauté qui nous reste. Il nous faut oublier la guerre. Il me semble que l'incendie de la bibliothèque d'Alexandrie devait être un spectacle de bon goût comparé à celui-ci. Il ne nous fera pas oublier longtemps la guerre. Peu importe, professeur, nous n'en avons plus pour longtemps non plus. Mais que ce livre dure jusqu'à notre mort. Je n'aime pas vous voir si idéaliste tout à coup. Vous vous vautrez avec moi comme une bête, et dès qu'il est question de ce roman, vous en parlez avec le feu sacré comme une sainte. Vous allez finir par me faire prendre en grippe, ce bouquin. Ne soyez pas jeune d'un livre. Alors dites que vous êtes une bête. Je suis une bête. Dites que vous n'avez plus rien d'humain. Je n'ai plus rien d'humain. Alors, ça vous est égal que je le détruise ce livre ? Non, s'il vous plaît, ça ne m'est pas égal. Alors, vous avez menti. Vous n'êtes pas encore tout à fait un animal. Il vous reste une seule chose humaine, et c'est ce livre. Et pour vous punir d'avoir menti, voici le sort que je réserve à votre dernière parcelle d'humanité. Je ne veux plus vous voir. Non, ne partez pas. Profitez au moins de cette belle flambée. Oh mon Dieu, quelle est sotte cette petite. Je suis soulagé. Elle est quand même moins monstrueuse que vous. À l'impossible, nul n'est tenu. Je me demande ce qu'elle est allée faire dehors. Comment ? Vous ne le savez pas ? Vous le savez, vous ? Eh oui. Elle m'a toujours dit que le jour où il n'y aurait plus de livres, elle irait se promener au milieu de la grande place. Il paraît que c'est le nouveau suicide à la mode. Quoi ? Et voici comment on profite seul d'une bonne flambée. Il commence à devenir agaçant, ces petits jeunes. Après, j'ai encore cette chaise à brûler. Et puis l'autre. Puis qu'il n'y aura comme plus rien. Aucun combustible. J'irai rejoindre leur cadavre sur la grande place. Je me promènerai moi aussi.